aujourd'hui nous sommes vendredi. Je vous propose un atelier mathématique. Nous allons faire des algorithmes, nous allons faire des chaînes répétitives. D'accord ? Je vais vous montrer trois niveaux, trois jeux différents. Tout d'abord, nous allons jouer avec les couverts que vous pouvez trouver dans votre cuisine. Donc, d'abord, une fourchette, une petite cuillère et une cuillère à soupe. D'accord ? Donc, je vous emmène avec moi pour jouer. Je vais faire un rythme. D'accord ? Donc, un modèle. D'abord la fourchette, ensuite la petite cuillère, enfin la grande cuillère. Et vous allez devoir continuer la chaîne, continuer le rythme. Fourchette, petite cuillère, cuillère. Qu'est-ce que je dois mettre ici? Je dois venir mettre une fourchette. Fourchette, petite cuillère, cuillère, fourchette. Maintenant, je dois mettre une petite cuillère. Ensuite, je dois venir mettre la cuillère. D'accord. Et je continue. Ensuite, la fourchette. Je vais essayer de resserrer pour que ça rentre. La petite cuillère. Et la cuillère. Ça s'appelle un rythme. Fourchette, petite cuillère, cuillère. Fourchette, petite cuillère, cuillère. Fourchette, petite cuillère, grande cuillère. Vous avez vu ? Chaque fois, nous avons fait la même chose, le même rythme. D'accord ? Là, j'avais choisi ce rythme-là. Je peux faire un autre rythme. Je peux faire petite cuillère, fourchette, cuillère. Et ainsi de suite. Je peux aussi les mettre dans des sens différents. Petite cuillère, fourchette, cuillère. Donc ma petite cuillère, il faut que je la mette dans le même sens que mon modèle. Et ainsi de suite. Ça, c'est avec les couverts. Maintenant, je vous propose avec le même objet, des pinces à linge, mais avec des couleurs différentes. D'abord, pince à linge rose, on va mettre comme ça. Ensuite, pince à linge grise. Et enfin, pince à linge verte. Petite chanson, rose, gris, vert. Rose, gris, vert. Rose, gris, vert. Donc là, je dois mettre du rose, oui. Rose, gris, vert, rose, gris, vert, rose, gris, vert. Vous voyez, là c'est avec les couleurs. On a le même objet et c'est avec les couleurs. Comme tout à l'heure, si j'ai envie, je peux dire que la rose elle est dans ce sens-là, la grise. Dans celui-là. Et ensuite, je dois faire la même chose. D'accord ? Très bien. Et le dernier niveau, ce sont des rectangles de couleur. Il n'y a plus de manipulation d'objets, ce sont que des cartes. Et pareil, je fais mon petit algorithme, ma petite chanson. Rouge, bleu, rouge, jaune, bleu, rouge, jaune, bleu. Voilà. Donc là, nous avons appris à faire des algorithmes avec trois objets. D'accord ? J'espère que cela vous a plu et je vous dis à plus tard.